tous. En attendant lundi, on s'invite chez vous ce samedi. Alors, du LOL qui ne fait pas rire. Un like pour le dislike de la Discord. De l'info ou à peu près. Et serons-nous italiens un jour? Eh bien, c'est le menu de ce rendez-vous de la mi-journée concocté aujourd'hui par l'une des muses de Vargas, Alberto, pas Fred. Hein. Allez sur Wikipédia, vous comprendrez. Inès Moratti, bonjour. Bonjour. Ça donne le ton. Le fraîchement recruté mais déjà récurrent, Jean-Philippe Scapula, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Le Jean-Michel à peu près Iron Man, DJ de Jordan, bonjour. Bonjour. Oui. J'aime bien celle-là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oui. Et enfin, le croqueur de croquis, Julien Osti, c'était pour la rime. Oui. Bah justement, tiens, on va commencer et avec Julien et avec un peu d'anglais. LOL, ça veut dire laughing out loud, et en français ça veut dire mort de rire. C'est ça, vous vous souvenez de Facebook? Oui, vraiment entendu parler. Au début de Facebook, il y a eu plusieurs types d'utilisateurs. Il y a eu celui qui racontait sa vie, exemple, il est 17h, je mange un cookie, ou celui qui recherche ses vieux copains de CM2, ou encore celui qui s'intégrait dans tous les groupes de la création, exemple, le groupe de ceux qui à 17h mangent des cookies. Et en 2009-2010, donc au début, je ne sais pas si vous vous souvenez de Vincent Glade, l'ancien chroniqueur du Grand Journal, il a créé un groupe avec ses amis, donc un groupe qui réunissait des journalistes, des professionnels de la communication, des professionnels de la publicité également, des gens très influents dans les médias. Et ils ont créé un groupe qui s'appelle la Ligue LOL. Mmh. Donc on le sait, hein, Laurent, quand ça s'appelle Ligue LOL, ça sent un bon rigolade. Hein. Et donc le but du jeu, c'était pour eux de se moquer d'utilisateurs, donc ça faisait rire qu'eux, hein, d'utilisateurs de Facebook. Et au fil du temps, ces moqueries sont devenues des insultes, du cyberharcèlement, du harcèlement physique également au sein des rédactions. Donc là, ça, on y allait avec du racisme, avec de la grossophobie, de l'homophobie. Mais aucune plainte n'avait été déposée à l'époque. Pourquoi je vous parle de ça 10 ans après? Parce que c'est ressorti là, il n'y a pas longtemps. Exactement. Oui. D'ailleurs, cette semaine, on a encore beaucoup parlé d'ailleurs. C'est ça, c'est qu'il y a eu plusieurs messages sur Twitter qui faisaient référence à ce groupe. Donc le hashtag LIGLOL apparaît. Et de nombreux témoignages ont commencé à affluer. Les langues se sont déliées. On a identifié les membres de ce groupe. Ils se sont tous confondus. Enfin, une partie de ce groupe, hein, parce qu'on ne sait pas combien ils étaient. C'est un club privé, quoi. Ouais. Il fallait être coopté pour. C'est ça. Ouais. Des caïds. Les caïds cool, parce que bon, ça venait de Libération, des Inrocks, etc. Mais des caïds quand même. Et donc, ils se sont tous confondus en excuses et mis à pied pour la plupart par leurs diverses rédactions ou employeurs. Donc, on le sait, lorsqu'on est derrière un écran, forcément, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux comme un défouloir. Donc c'est toujours le même stéréotype, un peu le stéréotype de cours de récré, toujours les cools contre les faibles, hein, un peu le capitaine de l'équipe de foot qui se moque des membres du club d'astronomie ou d'échecs. Sauf que les conséquences peuvent être tragiques, dramatiques pour les cibles de ces harcèlements. On a vu plein de jeunes, d'adolescents qui ont souvent été, qui ont fait des tentatives de suicide, etc. C'était le cas d'ailleurs pour une des youtubeuses justement qui était prise pour cible par la Ligue du LOL, oui. Ah oui, exactement. Ouais. Bon, j'ai mis une sale ambiance, hein, je m'en doute. Mais j'ai envie de dire stop. Et j'ai envie de rendre aussi hommage à un groupe qui souvent est moqué, qui est insulté, qui est violenté. Oui, Jean-Philippe, il n'y a pas comme ça, oui. Et ça, tous les week-ends, dans l'indifférence générale. J'ai fait un dessin là-dessus. Vous avez une idée? J'ai fait un dessin là-dessus. Ce groupe, c'est le 15 de France. Les pauvres. Bastaro est très réussi. Merci. Tout ça pour ça. Oui. Oui, mais il faut savoir dénoncer aussi, vous l'avez bien fait. Merci. On mettra un like et pas un dislike pour le dessin de Julien. Et du dislike, on va en parler à cause ou grâce au Super Bowl, Inès. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, on va commencer cette chronique par un fait, hein. Je ne vous aime pas. Voilà. Non, mais il faut que ce soit dit, hein. Je ne peux pas vous blairer. Mais je peux pas. Ah non, pardon, excusez-moi, Laurent, c'est la vraie vie, hein. Oui. Non, parce qu'en fait, j'ai cru. Derrière un ordinateur, là. J'ai cru qu'on était sur Internet, c'est ça. Ce serait possible si on était en replay. Replay, Laurent, auto-promo. Delphine Ernaud vous regarde. Allez-y. Non, je ne vais pas recommencer depuis le début, non. Ok. C'est bien. C'était. Voilà. Merci. Alors. Bah, de rien, si je peux aider. Non, alors. Restez avec moi, en plus cette chronique fait 8 heures, restez avec moi. Je confondais, parce que sur Internet, et plus particulièrement dans les bastions d'humanité, de lumière et de grammaire que sont les sections
commentaires. On a le droit de dire sans détour quand on n'aime pas. Hein, oui, c'est cash là. Hein. Pouce levé, pouce baissé. Voilà, ça fait très arène dématérialisée. Du coup, les gens se lâchent. Oui, on peut faire des trucs qui passeraient pas dans la vraie vie. Hein. Par exemple, si on ne peut pas crier Prums à son collègue quand on est premier à lui répondre en réunion. Hein. Voilà, c'est pas socialement acceptable. Ça serait bien. Ou d'ailleurs, dans les commentaires aussi, arrêtez, abstenez-vous. Alors que sur Internet, si on n'a pas aimé, bah, juste là, à la fin de la semaine dernière, la vidéo du Super Bowl. Bah, alors là, on peut y aller. Là, on peut y aller. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Vas-y qu'on s'y fait plaisir, vas-y qu'on ne s'est pas privé. Alors par contre, ici l'équipe, là-bas chez vous, je vais devoir vous préparer mentalement à l'information qui va suivre. Hein. Oui, l'info est réelle. Ouais, on va partir sur de la polémique. Alors, information. La vidéo YouTube de la prestation de Maroon 5 lors du Super Bowl a été massivement dislikée à cause de Bob l'éponge. Voilà, alors, je sais, rappelez Kadmirad, on est un petit peu sur un camoulox. Oui, mais tu ne peux pas, parce que Chimène Badi est en opposition. Alors, mange du sable et danse dans une roulotte. Ah, mais je pensais que je pouvais aller en diagonale parce que Jean-Michel. On peut revenir à Bob l'éponge, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Non, on fait 8 heures. On est resté sur un humour comédie dans les années 2000. Bob l'éponge. Oui, Bob l'éponge. Alors. On va revenir sur les faits. Pour comprendre comment c'est arrivé, il faut remonter à 2008. Disons-le, c'est pas super joyeux à la base. Au mois de novembre, Stephen Hillenburg, le créateur du dessin animé Bob l'éponge, est décédé des suites d'une maladie neurodégénérative. Alors, bien sûr, hein, les hommages au créateur se sont multipliés sur la toile. Et parmi ces témoignages d'estime, il y avait une demande un petit peu particulière, celle de faire figurer Bob, donc le personnage, lors du Super Bowl. Ça, c'est parce que dans la saison 2 du dessin animé, il participe au Bubble Bowl, la scène était devenue complètement culte. Donc pour cette année, forcément, c'était l'occasion ou jamais. Les fans l'attendaient, ils ont été entendus. Au mois de janvier, donc Maroon 5, le groupe qui allait assurer la mi-temps du show, l'a teasé sur son compte Twitter. Qui pouvait-on apercevoir en fond de leur prestation ? C'était Bob. Là, vous vous dites, oh, bah, c'est cool, tout va bien se passer. Mes pauvres enfants. Mais que j'envie votre naïveté. Non, vous êtes un peu pathétique. Non, parce que là, les gars, ça va être l'escalade de l'horreur. Plus rien ne va aller. Déjà, on va analyser. Déjà, première erreur, on ne tisse pas quelque chose quand on n'est pas sûr de son coup. Hein, ne jamais survendre. Ne jamais dire, hé, hey, les copains, j'ai une blague, vous allez voir, elle est super drôle. Julien, tu notes. Voilà. Personne ne va. Je ne fais jamais ça. Si tu fais ça. Par contre, mon dessin, là, il est très, très bon. Voilà. Ça, c'est une erreur. Tout le monde va être déçu. Pour Maroon 5 aussi, tout le monde avait été déçu. Donc, l'hommage d'à peine quelques secondes qui avait été rendu à Bob l'éponge était bah, pourri, on va le dire carrément. Bonus, la prestation en général du groupe n'avait pas non plus convaincu. Alors du coup, là, l'autre, le chanteur, le titre de Maroon 5, il sentait que ça allait pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive sur scène? Bah, il te fait voler le veston, voilà, il s'affaque torse nu. Alors, ça non, ça, je dis non. Qui, sur ce plateau, pense que venir torse nu, ou presque, ça peut marcher, ça peut détourner les gens de la nullité de sa prestation? Personne, évidemment. Je pense qu'il y a moyen de faire du buzz. Ah. Oui, je pense qu'il y a moyen de faire du buzz. Ou de la bouse. Je ne ris pas. Alors, Robonus, vous aviez aussi toute la controverse Trump-Copernic qui ne mettait pas non plus une ambiance folle hein, sur la finale du championnat. Donc oui, en toute logique, lorsque la vidéo du concert a été mise en ligne, elle a été massivement dislikée. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas top. Ouais, c'est la loose totale même. Bon, heureusement, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir plot twist, il va y avoir péripétie. Vu que la vidéo avait trop de pouces vers le bas lorsqu'elle a été mise en ligne, ce qu'ils ont fait, hein, les gens qui l'avaient postée, c'est qu'ils l'ont effacée et l'ont repostée. Comme ça, ça remettait les compteurs à zéro. Sauf qu'on a tous vu, hein, ils ne l'ont même pas fait en scred, je veux dire, on dirait un petit peu nous quand on le fait. Hein. En scred. En scred. En scred. Ouais. Ah, discrète. Ouais. Discret. Mais, non, mais pour illustrer, mais je vous donne un exemple. Non, je ne suis pas polyglotte, hein, c'est pour ça. Je vous donne un exemple. Pas jeune non plus. Ouais, ça doit être ça. Bim. Hein, voilà. Mais je vous attends tout à l'heure. Non. Alors je vais vous expliquer. C'est un petit peu comme si nous, dans l'équipe, on venait et on essayait de vous présenter un petit peu la même idée chronique bancale. Hein, voilà. Mais on viendrait chacun son tour. Comme ça, vous ne vous rendrez pas compte. Le problème, c'est qu'il voit. Hein, il s'en rend compte. Pas toujours, hélas. Non, celle-là, elle est passée. Donc forcément, non. Alors, tout ça, c'est gênant pour tout le monde. Hein. Tout ça, c'est gênant. Mais voilà, c'est fini. Ça s'arrête là. Non. Bien sûr que non. Là, vous avez YouTube qui se ramène. Alors, il vient, ramène sur la polémique à base de « Puisque vous n'êtes pas sympa, nous, on pense qu'on va enlever les likes et de toute façon, vous ne serez pas là pour dire que ça ne vous plaît pas. » Alors, officiellement, hein, le site nous vend. La com nous dit que ce
le but d'enlever les dislikes, ce serait pour éviter, tu en parlais Julien, les campagnes organisées de dislikes qui, lorsqu'elles touchent les petits créateurs de la plateforme, peuvent un petit peu verser dans le cyberharcèlement. Mmh. Ça c'est très beau, c'est louable, on est d'accord. Ouais. Non, 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 ah. on le sait, YouTube, qu'en fait vous profitez de cette actu parce que vous l'avez encore mauvaise, que la vidéo la plus dislikée de tous les temps, ce soit une vidéo créée et postée par YouTube. En fait, merci. Je vous ai dit 8 heures. J'espère que vous hydratez chez vous. Vous avez fait. Non, il y avait. J'ai cherché le chiffre. La vidéo donc a comptabilisé 15 millions de dislikes. Forcément, hein, il n'allait pas laisser passer. C'était la vidéo de YouTube Rewind. Et je suis désolée de vous faire ça en régie, mais on regarde ce qu'était l'original. Allez-y. Oh, that's hot. Bon déjà, s'il n'y avait pas eu de polémique, ça passait pas. Vous mettez ça, vous balancez ça à des gamins de 14 ans, non, c'est non. On regarde maintenant ce que ça devient la parodie. Oh, that's hot. Voilà, on poste des vidéos YouTube, on se moque du créateur de YouTube sur YouTube. Non, voilà, n'allez pas laisser passer forcément. Alors que par contre, nous, sur ce plateau, on n'est pas comme ça. On aime le débat, on n'empêche pas aux gens de donner leur avis sous prétexte qu'ils peuvent être négatifs. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de noter ma chronique. Vous avez devant vous, voilà, des panneaux, vous avez le choix, hein. Allez-y. Voilà, est-ce que vous pouvez noter ma chronique? Je vote pas, moi, donc. Hein. Non. Non. C'est une chance. Bravo. Quelle surprise. Merci, je ne m'attendais pas. Laurent, est-ce que je peux faire un discours, du coup? Oh, on n'est plus là, ça après. Hein. Bon, alors, je n'avais pas préparé. Alors, je tiens à remercier tous ces gens qui ont été là pour moi depuis le début. Oui, tous ces gens qui m'ont ouvert des portes dans le métier. Merci, hein, sans vous, je ne serais pas là. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas de badge. Donc, si vous n'ouvrez pas des portes, en fait, je ne serais pas là. Voilà, merci. Et Claude Berry aussi. Donc, il ne me reste donc qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous demain, puisque cette émission est déjà terminée. C'est pas bien. Non, c'était juste dans les temps, nickel. Hein. Enfin, je retiens juste l'info. Donc aujourd'hui, la déception, c'est qu'on ne peut plus disliker le fait qu'il n'y ait plus de dislike. C'est en réflexion, oui. Hein, c'est un peu dommage de ne pas disliker ce qu'on peut... En fait, on s'en fout, quoi. Hein. On va passer à la revue. On va passer à la revue d'à peu près tout à l'heure. Mais d'abord, le dessin de Julien. Oui, tout à fait. J'ai fait un petit dessin parce que, à mon avis, si YouTube veut avoir du succès, le Super Bowl devrait, à la mi-temps, organiser un concert de chats. Avec ça, YouTube forcément aura des vidéos qui auront des millions de vues. Mais les chats, c'est les rois sur Internet. On peut repasser l'intervention de Julien tout à l'heure quand il disait mon dessin sera très bon. C'est possible, voilà. Effectivement. Mais j'avais dit ne jamais survendre. Jamais. C'est moche. On passe à la revue d'à peu près. Non. Si on a le temps, ouais. Ouais, mais on va essayer, mais alors rapidement. Hein. Je viens pas demain pour commenter, si vous voulez. Non, mais on peut s'arranger, on peut faire un truc avec des contrats, je vais voir Marie-Pierre. Voilà. Donc, Laurent. Les autres. Ouais. On n'est plus samedi, on est lundi. Cette semaine a été riche en dimensions au niveau de l'information. Alors, je ne vais pas vous énumérer une par une toutes les informations, sinon il nous faudrait qu'on soit à 12h10, du lundi au vendredi, avec un animateur... blond vénitien, reflet ketchup mayo, je vous laisse imaginer voilà. Donc Laurent avec cette coupe. Donc comme d'habitude, j'ai décidé de vous parler des infos qui passent, qui sont totalement improbables, mais qui nous font penser que, bordel, le monde quand même, hein, c'est pas trop mal. La relance. Oui, non, j'étais en train de penser à saluer nos camarades de jeu du lundi au vendredi, l'équipe de Villanova avec notamment Florian Carrier. Et... Moi, je vous la demande au début, vous la faites pas, non. Là, vous la faites. Et là, je la fais. On est sur ma chronique. Pardon. Voilà. Florian Carrier et Caroline Tori. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, la relance, oui. On va commencer par grimper. Exactement. Alors, ça se passe dans l'Aude, c'est un jeune homme de 21 ans qui vient d'écoper de 8 mois de prison avec sursis. Bon, normalement, il a voulu rentrer dans la gendarmerie. Normalement, on essaye de ne pas y rentrer, hein, parce que ce n'est pas un endroit qu'on apprécie beaucoup. Donc, ce jeune homme, en mai dernier, il a décidé d'escalader la façade. Il se trouve en plein milieu de la caserne et il a dérobé, je vous laisse deviner, des bières, des chaussures et des boules de pétanque. Très original. Il manque un bob et on est sur la place Millau, là. On fonce. Donc, ensuite, il a été malheureusement... capturé, parce qu'en novembre, il a été pris à cause de son ADN. Sauf que, après, dans l'article, on découvre qu'il a subi une expertise psychiatrique et le jeune homme souffre de troubles schizophréniques et manque de discernement. Ah.
Donc là, du coup, je pense que ma info, elle n'est pas super, super, mais il fallait quand même... Voilà. En attendant, les chiens aboient, la caravane passe et les amandes, elles pleuvent. Changement de région, direction l'Oise et la petite commune de Feuquières. Bon, déjà, vous savez. Oui, c'est un vrai nom. Hein. C'est pas de l'anglais, hein. Non, d'accord. Je peux vous le dire en anglais. Non, ça va aller. Donc, c'est une commune de 1500 habitants. Donc, on se dit, ça va être assez tranquille. Les habitants ont lancé une pétition, l'ont envoyé au maire, ils en ont marre. Marre de quoi? Des voyous? Non. Du chômage? Non. Du prix de l'essence? Non. Ils en ont marre des aboiements de chiens. Ouais, parce qu'à un moment donné, les chiens aboyaient tout le temps. Donc le maire, il a dit, je vais écouter mes citoyens et je vais mettre une amende aux propriétaires des chiens de 68 euros. D'accord. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc il nous explique, attention, hein, les aboiements ne sont pas interdits, mais il va falloir les contrôler. Ça va être juste de manière épisodique. Donc là, on voit bien que la censure, même, ça touche aussi les chiens. Je me dis, et donc du coup, je me suis dit, si on a une amende sur la connerie, je pense que là, l'émission, il n'y a plus de budget. On va augmenter les impôts, oui. On va changer les paroles de la Marseillaise. On devrait commencer par « Chantons enfants de la cantine ». C'est ça. Là, on passe à l'info qui risque de faire une petite polémique dans pas mal d'endroits, et un petit peu chez nous surtout. Donc on y est, ça y est, les députés ont décidé de s'occuper du système scolaire. Enfin, et en plus, ils ont, comme ils travaillent énormément, qu'ils ont à cœur d'aider les citoyens, un premier texte de loi a été voté en pleine nuit. Donc c'est un amendement qui a été mis en route par M. Éric Ciotti. Donc on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont améliorer les conditions de travail des enseignants, ouais. Les écoles, les lycées, tout ça va être retapé pour que tout se passe bien. Ils vont plus, les petits collégiens et tout ça ne vont plus porter des sacs de 27 kilos. Non, pas du tout, comme on va le voir là à l'image. Il a décidé d'obliger toutes les écoles à avoir un drapeau européen et français. Ça existe déjà en façade. Hein. Oui. Donc l'opposition, vous imaginez bien, s'est montée au créneau. On doit aussi mettre le refrain de l'hymne national. Donc à un moment donné, l'opposition s'est dit, bon, super, ça va devenir des casernes, on va faire que des militaires et des policiers. Donc, alors, je ne vais pas m'avancer, Eric. Hein, Eric Ciotti, je ne m'avance pas. C'est quand même un amendement qui met en avant l'identité, les valeurs du pays, tout ça. Est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu au combat que mènent certaines régions depuis quelque temps, que toi-même, Eric, tu combats? Il y a un mot que c'est ça, c'est le nationalisme. Si je peux me permettre. Vous allez avoir des problèmes. Ceci dit, pour info internationale, là, pour le coup, regardez, aux États-Unis, les enfants rentrent à l'école, chantent l'hymne et saluent le drapeau américain tous les matins. Apparemment, là-bas, ça pose pas de problème. Donc, c'est dans leur culture, dans leur société, c'est culture, depuis des décennies. Allez, on va prendre l'air maintenant. On va prendre l'air avec Jean-Philippe Esca. Pour la... Quoique l'air que vous nous proposez, je ne sais pas s'il est si bon que ça. Hein. Écoutez, en ce moment, pas trop. On sait que les liens diplomatiques entre la France et l'Italie sont très tendus depuis quelques semaines. Non, c'est bien parce que je pensais qu'on allait parler de ski, mais bon, si vous voulez partir sur l'Italie, moi je veux bien, mais... On peut parler de la Dolce Vita, l'air de l'Italie. On va parler de ski surtout. On va parler de ski. Alors, parlons de ski, mais il y a... Vous allez changer de fiche et vite. Il n'y a pas de neige. Non, je veux bien parler de ski, mais il n'y a pas de neige. La saison est mauvaise. Et les stations de Lille... Tout se passe comme prévu. Hein. Donc on reprend. Il va nous parler d'un air pas si pur que ça. Voilà. Pas si pur, d'autant qu'il n'y a pas de neige. Bon, je le répète. Et la question se pose désormais, est-ce qu'on fera encore du ski en Corse dans quelques années? Dans 10, 20 ans, voire moins. Ah, ça c'est plutôt inquiétant. La Corse, aujourd'hui, on sait, il y a 3 stations de ski alpin. Asco, Aize... que vous connaissez bien, un petit peu. Et Ghisogne. À Ghisogne, on a essayé d'ouvrir le week-end dernier. Malheureusement, on a dû fermer le dimanche. On a ouvert le vendredi, on a dû fermer le dimanche. Et à Aize, c'est encore pire. On n'a toujours pas ouvert les pistes, faute de neige. Alors, à Aize, un hiver sans ski, ça n'est plus arrivé depuis 2007. Et depuis 20 ans, c'est même la seule année où il n'y a pas eu de neige, 2007. Bon, donc, allez, sur ma parenthèse, on peut quand même essayer d'aller ailleurs, mais ce n'est pas simple. Alors, ce week-end, si aujourd'hui vous souhaitez aller faire du ski, vous prenez votre voiture et vous montez à Asco, au pied du Monte Cinto. Autant vous dire que si vous partez de Bonifacio, ça prend moins de temps d'aller à Courchevel. J'exagère, mais à peine. Alors, ça sent le vécu, hein. Ça sent le vécu, oui. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hivers plus chauds ou moins froids? Ça, c'est les météorologues qui nous le diront. Mais pour les communes, ça devient un vrai casse-tête. Pendant l'hiver, l'ouverture des stations, c'est quand même une manne financière non négligeable.
et un hiver de fermeture, c'est un déficit d'exploitation pour les caisses municipales. Pour les amoureux de sport de glisse également, c'est une frustration que l'on n'adoucit pas avec une promenade en raquette ou un bonhomme de neige fait à la va-vite. Bon, en tout cas, je ne sais pas si on est impuissant, mais est-ce qu'on peut lutter tout simplement contre ça et contre le réchauffement climatique. À la sueur de leur front, la réponse est à Dubaï. À Dubaï? Oui. Pour le ski? Pour le ski. Le petit Émirat du Moyen-Orient a décidé de construire une station de sport d'hiver couverte. Depuis 2005, on fait du ski à Dubaï. Il y a chaque jour plus de 2000 personnes qui descendent, qui slaloment sur la piste, parce qu'il n'y en a qu'une, de Dubaï. Sous un dôme, la température ne dépasse jamais les moins 2 degrés, tandis que dehors, le thermomètre affiche 40. Bon, la petite fantaisie a tout de même coûté 250 millions de dollars. Quand même. On a ouvert le robinet d'essence un petit peu plus longtemps. Alors qu'en Corse, par exemple, les trois mairies Asco, Bastiélega et Ghisoni budgétisent chaque année 50 000 euros pour ouvrir leur station. Ce qui est dommage, c'est qu'à 250 millions d'euros près, elles auraient pu avoir du Alors j'ai fait le calcul, parce que ça fait 150 000 euros par an donc pour la Corse. Donc j'ai fait le calcul, pour 250 millions d'euros, je pense que dans à peu près 167 ans, on pourra avoir un dôme de neige, nous aussi. Et vous serez encore à la télé. Ouais. Ça m'étonnerait beaucoup. pardon. Il est temps que je fasse un point info, voire un point géo. Oui. Vous avez montré la photo de Asco, c'est ça? Oui. On peut revoir la photo, s'il vous plaît? Voilà. Alors, petit point géo, c'est pas Asco, c'est Ghisoni. Voilà. Donc, si vous allez là-bas en disant je suis à Asco, vous êtes trompé de route. C'était le point géo, juste avant le dessin de Julien. Eh, parce que Jean-Phi a raison. Et c'est la cause de tout ça, c'est le réchauffement climatique. Donc, ça ne concerne pas que les pistes de ski. Ça en concerne d'autres, forcément. T'imagines, même Aise n'ouvre pas. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'est un problème central. Les ours polaires en parlent. C'est l'heure du tour de table. Il va être rapide et on se demande pourquoi. Donc je vais commencer par moi. Alors, demain, et là on va revenir sérieux deux secondes. Demain, c'est une soirée spéciale Yann Pia sur Viasté. Il est à 20h45. Vous pourrez voir le téléfilm d'Antoine Decaune, Yann Pia, chronique d'un assassinat. C'est un biopic français donc réalisé par Decaune avec Karine Viard et Jean Benguigui. C'est un téléfilm qui revient sur les derniers mois de la vie de Yann Pia en s'appuyant sur les faits retenus par la justice et sur la collusion entre politique et milieu varois. On en regarde un extrait. Je pourrais faire une réunion sur le thème de la pénétration de la mafia en France. J'essaierai même de faire venir quelques collègues de la commission parlementaire. Excellent. Et on la ferait où? À la Valette. La Valette? C'est la ville de Fargette. Et encore toute sa famille, c'est une déclaration de guerre. Ouais. Non, je le sens pas, Yann. Ça risque de nous péter à la gueule, cette affaire. Yann, téléphone. Il faut qu'on leur montre qu'on n'a pas peur d'eux. La Valette. Ça va, les minous? N'oubliez pas d'aller voter, hein. Salut les garçons! Pas de bêtises, hein, pas de bêtises. Ah! Final, vous allez bien? Ça va? Ça va. Vous avez vu ça? Cette pétasse? Elle a que les mots combine, trafic, mafia dans la bouche. Qu'elle nous lâche un peu, hein. C'est mauvais pour le commerce. Mais vous affolez pas, elle se prend pour Jeanne d'Arc, la conne. Elle entend des voix, elle me sauvait hier. Allez, à l'avenir. À l'avenir et à votre succès. À voir demain soir, 20h45 sur Viasté. Ce téléfilm sera suivi d'un documentaire réalisé par Christian Philibert et des textes dits par Charles Berling. À partir des témoignages de 6 journalistes, ce documentaire vous entraînera de la piste locale jusqu'à l'affaire d'État. C'est demain soirée, Yann Pia sur Viasté. Là, rapidement, en 1 minute 30 exactement, le petit tour de table avec Inès. Vous nous emmenez voir un festival de magie. Oui, je vous propose d'aller au Palais des Congrès. Par contre, juste un truc sur le site, ils disent que le spectacle qui revient après 2 ans d'absence a conquis les 303 ans. Vous n'avez pas aimé, Laurent? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Voilà. On passe à autre chose. Didier. Ce soir, on va au Pascal Rossine pour le gala de boxe organisé par le BCA. Il y aura 11 combats, 9 amateurs et 2 professionnels. Si on aime la bagarre dans les règles,
Autant la bagarre, c'est de la vraie boxe. Oui, c'est, en plus, on s'agit de règles. L'art pugilistique en Corse fonctionne très bien. Il a son public. Julien. Je voulais parler donc du Pixel Weekend à Corté. Donc un concours qui organise en 48 heures la création ou de jeux vidéo ou de films d'animation. Donc c'est le Fab Lab qui organise ça à Corté, 15, 16, 17 février. Et ils font un super boulot. Jean-Phi ? Alors ce soir, les 40 ans d'Avilette, ils étaient hier soir à Bastia, ils sont ce soir à Ajaccio, à la Fabrique, à Route du Vadio. Voilà, c'est l'occasion d'aller écouter une fois de plus ce groupe emblématique. Toute nouvelle salle d'ailleurs, hein, à la sortie d'Ajaccio, à découvrir dès ce soir. Et bien finalement, on est dans les temps, ou presque. On va se dire au revoir, on va se retrouver demain avec des chroniques à l'endroit. Bravo Jean-Phi d'ailleurs pour avoir récupéré tout ça. Et des chroniqueurs qui vous feront des chroniques en temps et en heure. En tout cas, on l'espère. Allez, bon samedi. On se retrouve demain, 12h25, toujours sur Via Stella, et c'est toujours en attendant lundi. À demain. Thank you.